À l'entrée visiteur du Parlement européen, cette indication, porte fermée pour 3 semaines. Ces 2 touristes français sont surpris. Après, je suppose qu'il y a beaucoup de touristes qui viennent ici visiter le Parlement. Après, je ne sais pas si... c'est un peu trop, je pense. Ce groupe d'étudiants venus de Suède est déçu et doit modifier les activités de son séjour à Bruxelles. On a voyagé depuis la Suède et on ne peut pas visiter. C'est triste. Je pense que ce virus n'est pas plus dangereux qu'une grippe. Je suis déçu pour mes élèves, on trouvera autre chose à faire. Demain, on visite la commission, j'espère que ce sera ouvert. Avec 1,5 million de visiteurs par an venus du monde entier, le Parlement européen veut éviter d'être un hub de propagation du virus Covid-19 et par mesure de précaution, il a décidé d'annuler toutes les activités non parlementaires. C'est une décision prise par les plus hautes autorités du Parlement européen sur conseil des autorités médicales qui sont en coordination avec les autorités médicales des différentes institutions européennes et qui se basent sur les études du Centre européen de prévention des maladies et de l'OMS, bien sûr. Les musées du Parlement européen, eux, restent ouverts. Comme le Parlement bruxellois, le bourgmestre de la ville de Bruxelles regrette cette décision et appelle au calme. Il y a une valeur exemplative. Je pense qu'un Parlement doit montrer qu'il continue à être là et être ouvert. Pourquoi fermer tout seul? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu de concertation avec la Première ministre belge ou avec la ministre de la Santé belge? Je pense que c'est ça que nous devons montrer. Nous devons montrer que nous travaillons ensemble. Nous sommes là pour montrer à la population que nous sommes responsables, que nous pouvons travailler avec méthode et sans froid. Le Parlement reçoit Greta Thunberg demain et continue ses travaux parlementaires. L'interdiction d'entrée des visiteurs pourrait être levée avant 3 semaines si la propagation du virus est mieux contrôlée.